Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau bras de fer Hearthstone. On va voir ce que ça donne. Tout à zéro de se battre pour vous. Débuter avec un petit deck recruté au fur et à mesure, puis envoyer les serviteurs combattre encore et encore. Ça a l'air fun. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, comme d'habitude. Hein. Voleur, voleur, on est obligé. On est obligé, voleur. On est obligé. C'est ma classe, je joue voleur. Donc du coup, oui, effectivement, pas de deck. Je pense qu'on va avoir des cartes, des choix. Un début, ou c'est peut-être un deck qui est automatiquement fait. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Alors, comment que tu fonctionnes? Construire votre équipe pendant. Ok, bonne chance, merci. Oulala, là là, nous avons du poulet. D'accord, et tous les tours, on choisit une nouvelle carte. Stalag, ça va être très situationnel. Argus, quoique Stalag, c'est quand même un truc, un body qui a... Ouais, non, je suis contre mage, je vais me prendre une boule de feu, ça va mourir. Le mage, j'en sais rien parce que je sais pas du tout ce qu'il y a dans le deck, donc du coup, on va éviter de prendre. Donc, on va partir sur défenseur d'Argus. D'accord, comme vous jouez une carte, place une copie dans votre deck. Ok, donc on va pas hésiter à spammer et on va lui mettre un point de vie en plus pour qu'elle se fasse papping. Mon dieu, du poulet. Donc du coup, ok. Du coup, j'ai pas compris. Il est passé où mon Argus? Il est passé là-dedans? Ils sont pas toujours super super clairs sur les mécaniques de jeu. On avait une des dernières là, je sais pas si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, où en fait dans la mécanique il y avait marqué au niveau, c'était un truc, vous savez, un truc avec des sorts. Et en fait c'était bien que ce soit avec des sorts, mais le truc qui était un petit peu embêtant, d'ailleurs il y a à renouveau le bug avec les cartes apparemment là-bas. Combo plus 3 en attaque, non on va partir là-dessus. D'accord, ok. Et là, ça... mais pourquoi mon Argus il est revenu? Ça, c'était ma main que j'avais à la fin du premier tour. Donc, c'est inversé tous les tours. Je comprends rien. C'est what the fuck ce truc. D'accord, donc en fait, j'ai l'impression qu'à la fin de chaque tour, toutes mes cartes sont repartent là-dedans. Et il y a un nouveau tirage au sort qui va être fait, c'est ça? Ah, mais ouais, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. J'avais envie de cliquer frénétiquement. Je pense qu'on va faire pièce, Argus. Le bruit est terrible. Ouais, c'est ça. Donc en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que toutes mes cartes repartent dans le fond et qu'il y en a des nouvelles qui reviennent dedans. Donc du coup, s'il faut, on va pas à la fatigue. Puisque tous les tours, on va remettre des cartes là-dedans. Donc du coup, pas de principe de fatigue. Et pour peu qu'il y ait les deux qui est Reno Jackson, c'est la mort. Non, parce qu'il y a forcément des doubles de poulet dans le deck. Non, ça marcherait pas. Un petit con ici, ok. Why not? Charge, ma soeur. Camouflage, dégâts des sorts. Non, on va plutôt prendre la charge. Quoique ça c'est bien, hein. Eh, vous en pensez quoi? On va te mettre là. Redéfenseur d'Argus, c'est bien. C'est bien encore le poulet. Et je sais pas ce que ma souris l'a fait. J'ai ma souris qui fait un peu de. J'ai l'impression d'avoir des micro-freezes. Rien à voir avec Mr. Freeze. Mr. Freeze c'était un Batman. Qui était pas si mauvais que ça, un Batman. Oui, je le revendique. C'est le Batman très cartoonesque. Mais c'était un. Bon, c'est pas le meilleur des Batman. Mais c'était un Batman cartoon, c'était l'époque, ça représentait les bim bam boum des... Ah, je crois qu'il s'est enfin décidé à poser des cartes et à jouer.
Merci, c'est sympa de m'en refaire de la place. Du coup, jeune Matt Prasseur, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, ça peut être intéressant, peut-être pour se faire remonter l'Argus, mais non. On va plutôt prendre ça. Du coup, je crois que je vais sacrifier ici. Je vais envoyer celle-là. On va mettre l'Argus ici. Vous avez été déconnecté de votre partie. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Oh mais non, je ne veux pas être déconnecté. Voyons. L'Argus était bien placé. Allez, fais quelque chose. Please. Quand je vous dis, alors la vidéo... Non, ah oui, normalement elle devrait paraître demain. Demain, j'étais en train de dire très fortement, très régulièrement que j'avais pas de luck. Aujourd'hui, je n'ai pas de luck sur le jus. Ouais, voilà. Impossible de vous reconnecter à la partie. Non, mais what the... Allez, c'est pas grave, on va repartir, on va refaire une, on va reprendre voleur. Oui, je disais dans la partie que vous allez voir demain que en ce moment je suis pas super châteux au niveau du jeu. D'ailleurs, il n'y a pas qu'au niveau du jeu où je suis pas super châteux, mais je peux pas en parler pour le moment. J'ai un petit peu teasé sur la vidéo de mercredi. Ok. Oh mon dieu, j'ai deux fois la pièce. Je peux faire un poulet de fou. Je peux faire poulet, pièce, plaque. Genre un deck de fou. Et donc, ouais, donc en ce moment, pas de luck, quoi. Pas de luck. Toi. Alors, tu me donnes quoi comme carte? Je vais essayer une carte maintenant. Ah, j'aime bien le boucanier. Du coup, on peut faire... On peut faire boucanier, pièce, arme. Ça ne sert strictement à rien, mais c'est stylé. Bah, plus 1 d'attaque, bon, c'est pas top, mais c'est pas mal. J'aurais préféré le plus 1 point de vie. On veut bien avoir un éclat ou un truc comme ça. Non, c'est un poulet. Deux poulets, mon dieu. Alors... J'aime bien l'agent du SI7. Quoique Leroy. Oh Leroy. Non, le poulet. Le SI7. On ne peut pas ne pas prendre le SI7. Non, moi je suis un deck voleur. Je joue les cartes voleurs. Oh là là, mon dieu, on a encore un boucanier. Alors là, boucanier, arme, poulet. Ça va être trop bien. Ah, tu ne sais plus quoi faire. Oh, on va rester dans du voleur. Le vide gousset, please, quoi. Oh, double boucanier. Oui, mon dieu. Ça a été super rapide. Ça a été très rapide. Ça a été formidable. Formidable, nous l'avons gagné. Allez, on va juste aller ouvrir le booster hyper vite fait. Non, très vite fait, rapidement. Enfin, maintenant quoi. Tu te calmes. le mec est complètement sous exta. Allez, donne-moi un bon truc. Ah, rare ou la déluge de l'âme. Et on reste dans le concept, dissimuler, déluge de l'âme, c'est cool. Allez, on va désenchanter tout ça très rapidement. Et puis, pendant que je suis en train de désenchanter mes cartes, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée désenchantée. Mon dieu, ça me fait plein de trucs. Un jour, je pourrais me recrafter une légendaire. Je ne sais pas laquelle, du coup. Donc voilà. Donc rendez-vous demain pour la prochaine vidéo sur Hearthstone, où on va parler du deck l'ami. Avec une V1.2, mais j'en parle dans la vidéo, j'en parle à la fin de la vidéo. Et donc voilà, mais du coup, plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, portez-vous bien, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao.